Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes bien réveillés. Alors, je suis actuellement après la pointe de Mtahara. Quand vous prenez cette pointe-là pour monter, pour aller direction Mtsangambwa, on va tomber gentiment ici sur cette petite passerelle qui est ici, que les gens s'amusent à bien déverser, hein. On vient déverser du sable, on vient déverser des déchets, ainsi de suite, j'en cite pas. Donc moi, la question que je me pose ici à Mayotte, les dépôts comme ceci, donc on trouve des carreaux, on trouve du sable, on trouve de la terre. Donc déjà ça, normalement ça devrait pas se faire. Ça, on devrait pas faire ça, parce que là en dessous, on a de tout. On a des carreaux, on a des pneus, on a des carcasses de voitures en dessous. On a de tout, hein. Comme je vous le dis, on a tout. On peut trouver de tout. Donc ici, je vais filmer ce qu'on peut trouver en dessous. Déjà ça, d'accord. On a des choses comme ça, là, des déchets. D'accord, de l'aluminium. Donc ça fait des années d'accumulation. Et les gens s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est une drogue de déposer comme ça. Les gars, tant que vous n'avez pas atteint la route, continuez encore. Hein. Continuez. Continuez ainsi. Ne vous arrêtez pas. Surtout, il ne faut pas vous arrêter. C'est inadmissible, franchement, de voir ça. C'est pas possible pour Mayotte. Là, tant qu'ils n'ont pas gagné la route, ils vont jamais s'arrêter. Hein. Si tu poses pas des cônes ici avec une grosse chaîne, ils vont jamais s'arrêter. Ils vont continuer jusqu'à la route. Hein. Vous allez le voir. Hein. Alors, vous voyez, c'est des zones où on peut avoir une belle vue. D'accord? Ici, vous voyez la beauté de la nature. Que les gens s'amusent à jeter. D'accord? Vous voyez, tout ça, c'est des décharges. Il y a de tout, du sable, etc., etc. Je ne vais pas commenter là-dessus. Vous savez ce qui se passe ici. C'est devenu une zone de dépôt. On jette de la terre ici. C'est bien, mais ce qui est vraiment malheureux, c'est les jets de déchets électroménagères, d'accord? Carcasse de voiture, etc., etc. Franchement, cette vue-là, c'est... waouh, tout simplement magnifique. Alors, toujours au même endroit, j'ai pas bougé. Hein. On va juste faire un petit zoom, d'accord. Vous voyez, on a un frigo qui est en dessous, là. Ici... c'est ce que je disais tout à l'heure, on jette de tout et de n'importe quoi. À Mayotte, c'est une habitude. Les gens sont habitués, d'accord? Ici, les ventilateurs, les gens, ils viennent, ils savent pas ce que c'est les dépôts, hein, les dépôts qui sont spécialisés pour jeter de l'électroménager, jeter du bois, etc., etc. Ils viennent jeter n'importe où. Donc ici, on va trouver congélateur qui est là-bas, d'accord, c'est super, hein, ils aiment ça les gens, ils aiment ça, jeter n'importe où, puisque c'est facile, hein. Alors les amis, je me suis déplacé, je suis descendu un tout petit peu plus bas, ici on a trois zones de dépôt, de décharge, qu'on va qualifier sauvage, d'accord. Parce que je pense pas que c'est dédié à ça, mais les gens se sont amusés à jeter de n'importe quoi. Ici, il y avait plein de merde, mais voilà, ils les ont déplacés. Hein. Bien sûr, bien évidemment, on va pas enlever pour amener dans un site dédié, mais on va pousser pour descendre ça dans la forêt, d'accord? Alors... ici, on a de tout. Hein. Il y avait du stockage des épaves de véhicules.
D'accord, ici, on a encore ce qui a été poussé. D'accord, on pousse pour cacher, d'accord, cacher la misère, d'accord, toujours au même endroit, hein. Alors, puisque ça ne suffit pas, hein, il faut continuer. On continue. Hein. C'est pas possible. Hein. On trouve de tout. On trouve de tout. Franchement, c'est abusé. C'est aberrant. Là, cette carcasse-là, ça fait combien d'années que c'est là-dedans, là? Regardez. Ça fait combien d'années que c'est comme ça? On va s'enfoncer un petit peu plus. Allez. Voyons ce qui s'y cache. Eh ben oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il est venu. Il a fait un petit tas. Ça suffit, d'accord? Personne ne le voit. Ça se voit pas. Puisque ça se voit pas, autant laisser là. Hein. Franchement. Eh, les gens, vous voyez pas. Vous voyez pas ce que vous faites, en fait, pour l'île.